Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi? Non, on est jeudi. Je viens à l'instant de terminer de tourner le haul action. J'ai encore toute la partie montage à faire, je le ferai après, les close-up. Mais je voulais commencer en vous montrant, vous savez, les L'Oréal, la signature, les nouveautés rouge à lèvres. Je vous avais dit que je les montrerai, vous vouliez aussi les voir. Il y en a 4, il y en a un que j'ai déjà essayé, donc je vous invite à voir, c'était dans le vlog précédent, je le porte. Je vais en mettre un et les deux autres, je vais les mettre là, je vais les swatcher ici. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, c'est donc les encres à lèvres laquées. Et c'est vrai qu'ils ont vraiment un rendu brillant. Il existe donc tous ces coloris et moi j'en ai 4. Alors voilà les couleurs que j'ai reçues. Moi j'ai essayé celui-ci, je me suis dit, oh ça va être un rose tendre et ça fait pas rose tendre du tout. Et je vais m'en essayer un, peut-être celui à droite. Je vous disais qu'il y avait donc ces 4 couleurs. Moi j'avais essayé celle-ci et j'ai bien envie de m'essayer celle-ci, ok? Donc celle-ci c'est la Bi Brillant 311. Ah oui, je vous ai pas dit, avec on a eu un petit béret rouge et il y a marqué donc brillant comme ceci. Il est rouge. Est-ce que ça me va les bérets? Je suis pas sûre du truc. Voilà le petit béret. Je vais essayer le bi brillant justement. C'est pas droit. Vous n'êtes pas très droit. Je vais me mettre là parce qu'il y a un miroir, ça va être plus simple, je reprends. Ils sont quand même très simples. Franchement, en plus je peux vous dire, parce que j'ai déjà testé l'autre pendant toute la moitié de journée, ça tient hyper bien. Donc c'est bien une encre. Confort, petit goût sympathique. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? Brillance longue tenue. Ça c'est vrai. Texture seconde peau. C'est vraiment joli. Ah oui, l'applicateur, regardez. L'applicateur comme ceci. Un applicateur calligraphique ultra précis, c'est vrai, pour un tracé parfait. Ultra léger par L'Oréal Paris. Il est beau, hein? Je vous fais un swatch ici, des autres couleurs. On va se faire celui-ci, donc celui-ci, si je dis, voilà. Celui-ci, c'est celui que j'ai testé dans l'autre vidéo. Alors, il s'agit du Bi Outstanding de 302. Entre le marron et le bois de rose. Ensuite, on va se tester celui-ci. C'est le 314 Bi Successful. Et enfin, on va essayer le Bi Powerful, le 312. Ah, il est pas mal celui-là aussi. Donc voilà, pour ça et pour l'heure, Non, il faut que je descende manger parce qu'il est midi. Je vais manger et après je fais le montage et les close. Il est même midi 40. Bonjour monsieur le chat. Comment ça va? Bon, allez, je ne te dérange pas plus. Je vais le garder puis on verra ensemble d'ailleurs comment ça évolue. Je vais faire mieux, Eric est rentré du boulot, je vais lui demander ce qu'il en pense. Chérie? Oui. Tu peux me regarder? Bien sûr. T'en penses quoi? Il est très marqué. Hein. Oui, ah bah oui, mais. Bon. Sinon, ça passe. Ça passe, t'aimes bien ou bof? Oui. Ah bah oui, il est. Soirée, quoi. À chaque fois que je mets un rouge, je dis ça fait soirée. Tu penses que je peux pas sortir comme ça? Dehors? Ah tiens, il y a la factrice. Si, tu peux. Mais... ça fait très marqué. Quoi. Oui. Bon, merci. Ok. Bon, tu peux m'en aller. Oui, bah oui, bah non, t'as bien fait. Croque-monsieur, il m'en reste un, ils sont super bons, je les fais au four, va à ta place, on va pas se fâcher tous les jours quand même bébé ça, allez va, j'aurais bien aimé le manger avec une petite salade, ça il faut que je pense à en prendre plus souvent, mâche ou roquette ou enfin voilà, petite iceberg j'aime bien aussi, contrôle-toi. Je vais me faire une pomme avec, c'est vrai que moi l'association sucré-salé je trouve ça merveilleux, et en plus le chèvre ça se marie bien avec, comme ça on va voir en plus. Comment ça évolue après avoir mangé. Mon assiette est prête. Hein. Alors là, absolument très simple. Aucun effort de présentation. Hein. Ça va être mangé rapidement de toute façon. Et je vais me regarder une petite vidéo. Attendez, je vais quand même vous montrer les lèvres. Ça reste hyper glossy alors que j'ai mangé. J'ai pas fait... Ben voilà, j'ai bu. Faut voir comment ça évolue, mais c'est pas mal. Regardez, hier avec Eric,
Je vous disais que j'avais plus de pantalons, j'avais plus de jeans à ma taille. Deux, j'ai trouvé deux jeans chez River Jeans. Je suis trop contente. Je vais vous montrer après. Des prix quand même assez raisonnables, hein, parce que 94 euros les deux jeans. Il y en a un donc qui a 29 et l'autre bah forcément 50 et quelques, mais qualité, qualité. Bon, j'ai quasiment terminé. J'en profite avant que j'oublie. Je vous montre mes jeans. J'adore, 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 j'adore. C'est des comment ça s'appelle ? Je dis pas de bêtises. Skinny, voilà. C'est des skinny fit. Celui-ci coûte 34,99 €. C'est la marque Only. Par contre, bah, je suis obligée. Je suis passée à un M. J'étais un peu dégoûtée, moi qui fais du S. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, ça sert énormément, donc j'aurais pas été à l'aise. Le deuxième, bah, c'est carrément un coup de cœur. C'est le Carmen Skinny, le régular. J'ai pris toujours la taille 28-32. Il taille super bien. Combien il coûte celui-ci? Celui-ci coûte 59, voilà, 60 euros. Oh, j'avais pas vu. Ah, c'est sympa. J'avais pas vu la petite fermeture. Je l'ai essayé quand même rapidement sans voir vraiment les détails et j'ai flashé, j'ai dit ouais c'est bon celui-ci on le prend. Franchement ça va me changer ça va me changer les choses. Hein. Vraiment c'était la galère de ne plus en avoir. Petit plan. Ah, c'est quand même un peu parti mais c'est là toujours. Attendez je me mets vraiment face à... Oh là là c'est hyper lumineux. Le ciel est beau. C'est magnifique. Hein. Wow. Ça me donne envie d'aller me promener. Je viens de retirer toutes les étiquettes, mais le truc auquel je n'avais pas pensé, et c'est vrai, quand on achète un noir et qu'on a un chat, mais pas forcément parce que c'est pas des poils de chat, hein. Voilà, l'épluche. Donc que je rachète absolument, c'est vrai que ça marche bien les brosses là, adhésives. Bon, bah super, j'ai envie de dire heureusement que tu es là toi petit. Au fait, beaucoup mieux mon œil, hein. Ça a duré 2 jours, donc je ne sais toujours pas d'où ça vient, mais ça s'est calmé. 4h30, je vais donner un petit goûter à bébé Zaki. Et après, je me concentre complètement sur le rangement de cette maison. Oui, 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 j'ai fait tout ce que je voulais, le plus important, ok? Je range la maison et après, j'ai d'autres choses que je... Enfin, je dois bosser sur d'autres choses. Ça, je ne vous en parle pas, mais on va dire que c'est de la création. Voilà. Allez, j'y vais. Ah, moi, je vais me faire un petit goûter aussi. J'ai envie de manger. Pour mon goûter, je pars sur... Pomme poire, la compote, je ne sais pas goûter encore celle-ci, et avec bah celle-là. Même si je sais, l'indice glycémique est très élevé, vous m'avez dit, il faut bien que je les finisse, c'est un régal. C'est peut-être pour ça. Il est 5h30 et j'ai bien avancé sur le ménage. En bas, au niveau de salon cuisine, je vais m'attaquer à ma chambre. Ah, c'est Eric. Ça va bébé? Ah oui, je suis arrivée devant. Ça va, bébé? Non. Ça va? Oui. Ça trie à fond, ça jette. Et j'ai même réussi à me couper. Mais bien comme il faut, hein, avec un rasoir. Parce que je suis en train de faire le tri dans toutes mes affaires. Et voilà. Bravo. Un rasoir neuf. Hein. Mais le truc, vous savez, la protection plastique a sauté. Je l'ai pris comme ça. Vas-y. Bon. J'ai attaché mes cheveux et bah, le rouge à lèvres. Oui, c'est parti. Hein. C'est pas moi qui ai frotté, c'est parti. Mais c'est parti uniformément, donc ça va. J'ai monté... Le petit spot, si vous avez vu mon haul de chez Action. Je pense le clipser sur ma coiffeuse. Oh, ah ouais, quand même. Lumière blanche. Bonjour. Oh, c'est pas mal, hein. T'en mets 1, 2, 3, 4. Enfin, ça peut rendre pas mal du tout. En espérant que ça tienne bien. Je pense qu'il faut que je mette un petit peu d'eau, quand même. Et oui, la photo d'Insta, enfin, qu'Eric a faite de moi en extérieur, qui est un peu en noir et blanc. J'ai demandé de mettre une note pour l'encourager. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est bien, il fait des efforts. Donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue sur mon Insta qui est ici. Bon ben voilà. Très souvent, c'est le genre de truc qui arrive. Quand je commence à ranger cette chambre, à un moment donné, je me retrouve dans mon lit en train de regarder des vidéos. Bon, j'ai bien avancé. Hein. Mais je sais pas, je me cale. En plus, il y a ma vidéo qui sort. Donc je réponds aux messages. J'ai répondu aussi sur Insta. Et ça finit comme ça. Et ça, c'est pas bien, parce qu'après, la motif pour descendre, préparer à manger, et bah, elle n'est plus trop là. Il doit être 7h20 à peu près. Je vais écouter aussi à 20h, je pense, comme beaucoup de personnes, voir un petit peu. C'est un peu important. Je fais pas de plan sur la comète tant qu'il n'a pas dit, je parle du président. Ce qu'il envisageait de faire, parce qu'il s'est bien renseigné auprès du corps médical, ce qui est très important, ça devient quand même une situation... C'est anxiogène, c'est vrai. Allez,
on se motive, on descend. Et bah, je vais faire à manger. Non, en fait, j'ai pas envie. Je suis descendue voir Eric, je fais, j'ai super faim. Et il m'a dit, ouais, moi aussi, j'ai super faim. Et c'est tout ce qu'on s'est dit. Mais toi, t'as déjà mangé. Ah non. Et en général, quand on fait ça, c'est que soit on veut se commander un truc, mais on n'ose pas se le dire vraiment. Attendez. T'as vraiment faim, genre quoi? Ok. Ah, je sais pas. Bon alors, tu veux des pizzas? Tu veux des pizzas? Tu peux me donner mon téléphone qui est dans mon sac? On aura opté pour des pizzas, mais j'ai pas pris les pizzas comme on prend d'habitude, la même pâte chez Domino's. Moi, j'ai pris vraiment la catégorie, si vous connaissez, suprême. Il y a très très longtemps, j'avais pris, elles sont plus chères, c'est rectangulaire, la pâte est plus croustillante. Et notamment sel, figue, miel. Miel, oui, je crois qu'il y a du miel, chèvre. Et ouais, basique. Elles sont pas mal, donc je vais voir si c'est toujours aussi bon. Voilà, donc bah, j'attends les petites pizzas et puis El Presidente aussi. Avec du C'est savon absolument historique. Ou avec C'est fou ce qui se passe. Cela veut Moi, dire je m'en doutais, je m'en saluer doutais. Eric me sans disait non, embrasser ou non. serrer la main pour ne pas se transmettre le Il y a plus virus. court déjà. Cela veut dire se tenir à distance d'un mètre. Je suis sûre que tu es encore sous le choc. Ah oui, mais là, je suis. T'es là? Bah, Truc de fou, hein. Non, mais c'est ce que je dis, c'est historique. Ministre de la C'est Santé. trop de gens qui ont minimisé les choses, mais c'est celle-ci, la pizza, qui est super bonne. Je vous reprends, il est 10h moins 10. Vous savez ce qui vient de se passer? Eric est arrivé dans le salon parce que chacun va qu'à ses occupations, regarde ses trucs. Des fois, on regarde des choses ensemble, mais là, c'est pas le cas. Et je le vois qui traîne, qui rôde même autour de moi. Du style, bon, ça va toi sinon? Oui, au niveau des desserts, ça se passe comment? Donc le message fait, non, j'y pensais même pas, je pensais même pas. Le fait de m'avoir parlé de dessert, ça m'a ouvert le truc. En gros, il aurait voulu que je lui dise, vas-y, va chercher une glace au McDo. Mais en fait, on va jamais réussir à faire un régime et à faire attention, c'est pas possible. Et donc je le voyais ruminer, je le voyais, il est parti dans son comment, bureau. Et là, j'ai entendu la clé, il est parti en douce. J'ai entendu la voiture partir. Il est parti chercher McDo. Enfin, McDo. Une glace. Je suis même pas sûre qu'il m'en ramène une. Ça se trouve, il va y aller comme ça, en douce. C'est ouf quand même, hein. C'est peut-être le fait d'avoir entendu qu'il n'avait pas cours, ça lui a. Il est capable d'aller directement, je vous dis, dans son bureau. Pas. Il est pas venu me voir. Il a pas fait ça. Oh. Je vais l'encaper. T'en avais exprès? Je me disais que t'allais le dire. Putain, t'es vraiment. J'étais en train de péter un plomb, j'ai dit c'est pas vrai. Ouais, je sais que tu pétais un plomb. Ah oui, mes bébés, c'est les hormones. Oui. Moi aussi. T'as pas pu t'empêcher quand même. J'adore. Tu m'as même pris un. Oh là Merci là. Mon bébé. Ah, Merci. je t'aime trop, t'es tellement génial. Ça, c'est ton fameux Mais par dessert contre, le c'est meilleur bien à du monde. toi. Et oh, c'est toi qui as voulu, chat. Avoue que c'est toi. Non. Bah, dis la vérité. Non, Mais non, mais vraiment. je vais pas mentir parce que tu filmes. Oh, c'est pas vrai, non. Non. Là. Non, je crois que les gens ne sont pas. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, dis donc, ils ont changé leur truc à Domino's. Oh, Bon, allez. Allez! Celui-là sera pour demain. Muffin chocolat, il est trop bon dedans, il y a du chocolat liquide. Je vais faire un gros bisou et puis on se retrouve demain dans un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Allez, salut!